Carmen, première française sur Marvejol, c'est une surprise là? Oui. Oui, le plateau français, je pense qu'il n'y a pas les meilleurs aujourd'hui, mais ça fait toujours plaisir. Et, par contre, un gros plateau au niveau étranger. Je crois que je suis mis à la 7e place. Je me rends pleinement satisfaite de mon classement final. Qu'est-ce que tu deviens? Raconte-nous. Après une longue absence parmi les athlètes, je reviens, je me prépare tout doucement. Et mon but, c'est de revenir à l'automne pour refaire du France et pour pas faire une sélection aux Europes. Sur quelle discipline t'as envie de revenir? T'as envie de reprendre du plaisir? Le cross. Revenir sur du coup. Revenir sur du kilomètre. Après, refaire un marathon, je ne sais pas. J'ai un problème par rapport à ma blessure. Mais pourquoi pas, mais pas dans l'immédiat. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on est en compagnie d'Hassan El Hamadi, premier français à Marvejol-Mende. Tu es heureux? Oui, très très bien. Premier vieux, on peut dire aussi? Premier vétéran. Alors, c'est toujours un plaisir de courir ici. C'est une course, juste la marque de la course. C'est une grande classique. Alors, on a toujours le plaisir de courir ici à Marvejol. Combien de participations? Ça fait 16 fois que je cours ici. Combien? 16 fois. 5 fois? 16 fois. D'accord. Là, je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est toutes les places. Donc, on peut dire que tu as vieilli avec la course? J'ai vieilli avec Marvejol. Alors, on voit pas tes cheveux blancs là, qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui? Tu cours beaucoup en vétéran? Je suis rasé, mais je suis en vétéran et c'est toujours de plaisir. C'est dommage, mon ami Philippe Rémo, il n'est pas là parce que aussi, c'est un guerrier là. Aujourd'hui, il n'est pas venu courir ici, mais c'est toujours bien. Ok, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? Marathon, cross, petite distance? Non, je préfère le moyen distance quoi, du 10 jusqu'au semi-marathon. Je me dis ça, je dis le marathon, c'est trop dur de se préparer. Je peux toujours le faire, mais c'est comme je travaille, c'est trop dur de récupérer et je sais plusieurs fois autant. Voilà. Bah, écoute, merci pour ton sourire. Merci. Nous sommes en compagnie de Jean-Claude Moulin. Jean-Claude Moulin, on peut dire un coureur, organisateur, agitateur du paysage lausérien. Ça te va comme descriptif? Oui, ou du paysage athlétique français. Voilà. Bon, agitateur, un peu moins maintenant quand même, non? Il y a beaucoup moins de choses à agiter, mais en fait, il faut être vigilant surtout quand même. Hein. Ouais. Alors un petit bilan sur cette 38e édition. C'est une très très bonne édition sur le plan sportif. On a beaucoup de participants, on n'a pas eu de problème majeur sur la course. Le plateau était superbe, les arrivées sont belles. Bon, après nous on a quelques difficultés financières, mais ça... Je crois que c'est inhérent à toutes les courses, non? Ben nous c'est que depuis cette année, parce qu'on a deux partenaires qui nous ont quittés, deux gros partenaires. Et on n'a pas pu les remplacer cette édition. Donc cette édition elle est partie avec un déficit, on a été obligé un petit peu de réduire sur les animations, sur les publications, surtout quoi, pour arriver à avoir un déficit qui ne soit pas trop trop gros. Et bon, après maintenant on va se lancer à l'automne dans une recherche absolument nécessaire de partenaires privés pour pouvoir assainir un petit peu la 39e édition. D'accord. Tu as toujours la foi? On est là-dedans depuis toujours. Enfin, moi, toute la famille est liée maintenant aussi. Voilà, bon, tant qu'on tient le coup, tant que voilà, on continuera. Ok, bon courage et puis rendez-vous à la 39e. Rendez-vous à la 39e. Merci. Ce sera le 24 juillet. Ok.